Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Chantilly ce mardi 21 novembre en compagnie des galopeurs de la jeune génération. Ce sera le prix de Beauvais, quatrième course de cette première réunion qui sera support de Quintée Plus, comme vous le voyez, prévu à 13h50. Un nom partant à déplorer, hein. Déjà vous le voyez, le numéro 16, du coup ils ne sont plus que 15. Handicap divisé, une première épreuve qui sera disputée sur 1600 mètres sur la PSF, comme je l'ai dit, pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Voilà pour le tableau. Voilà le 16, comme vous le voyez, non partant à New Light, qui a été déclaré assez tôt non partant. On a une course référence disputée sur ce parcours il y a 3 semaines qui reprend les 5 premiers d'un quintet. Donc c'est vrai qu'avant le coup, on a quelques informations assez intéressantes, même si on le sait, à cet âge-là, ça progresse. Le parcours fait la différence. Bref, il peut y avoir des modifications. Toujours est-il qu'on a quand même quelques certitudes, notamment concernant le numéro 4, Allen, qui a terminé deuxième de la course référence. On ne l'attendait pas à Paris Fête d'ailleurs. Regardez le prix de la chambre de Monsieur le Prince, c'était il y a tout juste 3 semaines, le 31 octobre, Big Log qui s'imposait dans ce quintet devant Allen. Et c'est vrai que Allen revenait sur la piste en sable, elle venait de faire 5ème sur une piste en sable, mais surtout elle débutait sur 1600 mètres. Et c'est vrai que visiblement le parcours est à son avantage, on l'a souvent vu aux alentours de 1900 mètres Allen, et elle a l'air d'être bien mieux sur cette distance, 1600 mètres. J'aurais préféré un meilleur numéro de corde, je vous le cache pas. Mais elle a prouvé non seulement qu'elle était capable de bien faire sur cette distance, mais dans cette catégorie à ce poids. Donc, en plus, elle a été battue vraiment tout à la fin de très peu. Donc, vraiment, elle a les moyens de remporter un tel quintet. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle devrait justement mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le 10, Cosmobo, qui a remis les pendules à l'heure après une tentative un petit peu malchanceuse. Il a terminé 3ème de la course référence. Je vous l'ai dit, je me suis appuyé sur la course référence pour pas mal de mes choix. Et c'est vrai que ce Cosmobo, il a des références à faire valoir. Je crois qu'on a une course référence encore avec lui. Ah oui, voilà, devant Monsieur Cassiopée, c'était le 28 mai. Toujours est-il qu'il a fait lui aussi ses preuves à ce niveau sur ce parcours. Il a un numéro 8 dans les stades de départ qui peut être un peu mieux que la dernière fois. Il avait un meilleur numéro la dernière fois. Je crois qu'il avait un numéro 1, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Mais du coup, il n'a pas eu toutes ses aises au moment où le sprint a été lancé. Peut-être qu'avec un tel numéro, il sera caché, mais peut-être un peu plus en dehors. Ça peut lui permettre de s'exprimer un peu plus facilement. Et c'est vrai que sa troisième place était excellente la dernière fois. Et je pense qu'il est encore capable de faire un peu mieux. Il a remporté un handicap déjà cette année. Mais je pense qu'il a encore la marge pour remporter un quintet. Donc voilà, à lui de nous le prouver en piste. Mais en tout cas, moi, je lui vois une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu là ce Big Log. Bah, c'est le vainqueur de la course référence. Tout simplement, un cheval qui a vraiment... Il m'a beaucoup plu son style. C'est vrai qu'il s'est retrouvé un petit peu loin. Il a un petit peu zigzagué pour finir. Son accélération finale m'a vraiment beaucoup séduit. Et je le pense capable encore de repousser ses limites. Alors pour la victoire, je ne sais pas de quelle marge il dispose, parce que voilà, on ne connaît pas trop ses marges de progression. Mais en tout cas, c'est un cheval qui aime ce parcours, qui est en pleine possession de ses moyens et qui justement peut en profiter pour repousser ses limites. Moi en tout cas, je le pense capable d'une nouvelle performance de choix et je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Madigan. Bah Madigan, il a déçu dans cette catégorie à deux reprises et dernièrement il a remontré le bout du nez. 5ème de la course référence, il s'entend bien avec son partenaire Dorian Provo. Et c'est vrai que ce Madigan, il a remporté son Méden et derrière, en deux courses de gros handicap de quintet, il a été décevant, 11ème, 13ème. Alors il a été baissé au poids, il a retrouvé de la compétitivité, puis peut-être que le fait également d'évoluer sur une piste en sable lui a fait du bien. Et voilà, il a fait 5ème dernièrement. Je pense qu'il est capable encore d'afficher des progrès là-dessus. Je vous l'ai dit, c'est une course qui est assez ouverte avec des marges de progression qui sont inconnues de la part de plusieurs concurrents, surtout quand on a 3 ans. Toujours est-il que lui vient de bien se comporter et moi j'en attends une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 3 Beautiful Summer. Comme pas mal de concurrents portant la casaque Godolphin, elle est arrivée chez Henri Lexpental il n'y a pas si longtemps que cela. Je ne sais plus exactement, mais c'est une concurrente qui évoluait en Grande-Bretagne. Et c'est vrai qu'elle est arrivée sur notre sol. Elle a rapidement montré de bonnes dispositions. Alors, lors de ses premiers pas dans les handicaps, ça ne s'est pas forcément bien passé, seulement 12ème. Mais elle vient de remporter son handicap dernièrement. Et c'est vrai que... elle a peut-être été déclenchée. Elle a déjà couru sur une piste en sable en Grande-Bretagne, même si elle n'a jamais couru sur cette surface en France. Mais voilà, la forme est là, Michael Barzalona. Je me dis qu'elle est capable de repousser ses limites elle aussi. Alors pas forcément pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, moi j'y crois. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 15 Alva que je reprends confiance. C'est vrai que
C'était assez décevant lors de cette tentative. Hein. Vous le voyez, Alva qui était proposée à 4,80 € dans la course référence. Auparavant, elle avait très bien couru à Saint-Cloud, cinquième. Et puis regardez, deuxième de quintet du côté de Fontainebleau. Alors certes, ce n'était pas des pistes en sable, mais elle a déjà bien fait sur des pistes en sable. Je pense pas que le problème, ce soit la piste en sable. Ça a vraiment été le parcours la dernière fois qui lui a posé problème. Alors là, elle a un numéro dans les stalles qui est assez défavorable une nouvelle fois, le numéro 16. C'est le seul petit bémol. J'ai peur qu'elle se retrouve à l'arrière-garde et qu'elle ne puisse pas revenir comme la dernière fois. Pour moi, elle est compétitive à ce poids-là. Elle l'a prouvé. Elle aime la piste en sable. Elle l'a prouvé également. Maintenant, va falloir voir comment ça va se passer dans le parcours. Mais si ça veut bien se goupiller, attention à elle. Je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 9, Girafe. Bah écoutez, c'est une pouliche qui est assez régulière. Elle aussi, elle a des références à faire valoir, pas dans la course référence. Voilà, c'était ici le prix de la bataille, de la galerie des batailles. Elle terminait seulement 7e, mais c'était pas si mal que ça au final. Hein. Elle courait quand même bien. Et puis je crois que c'était un petit peu plus long le prix de la galerie des batailles. Il me semble que c'était 1900 mètres, si je me trompe pas. Non, c'était 1800 mètres. C'était un petit peu plus long. Et c'est vrai que c'est une pouliche qui est capable de prendre les devants. Et peut-être que le fait d'avoir une distance un peu plus courte, ça va jouer en sa faveur. En plus, elle attire un super numéro dans les stalles de départ. Donc voilà. Moi, je pense qu'elle est capable de bien faire à cette valeur et dans cette catégorie. C'est pour ça que je l'ai retenue seulement en 7e position. Mais j'y crois pour une place. Et enfin, en 8e position, bah, j'ai retenu le 11, le Freinet. Je suis pas forcément très fan de ce cheval-là, d'autant qu'il n'a pas un super numéro dans les stalles de départ, mais déjà c'était le cas la dernière fois, et il a quand même terminé quatrième de la course référence à 38 contre 1. On ne l'attendait pas à pareille fête, mais pourtant il a prouvé qu'il était capable de bien faire. C'est un cheval qui est capable de prendre les devants, qui est capable de maintenir son effort assez longtemps, donc voilà, il y a du pour et du contre pour sa candidature, mais vu sa dernière sortie, on est obligé de le retenir au moins pour une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Hoxton, qui a pris un peu de fraîcheur. Hein. On ne l'a pas revu depuis un peu plus de 2 mois. C'est un cheval qui a déjà bien fait hein, dans les quintés. Hein. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée 4e en 39,5. Là, il est pris en 38,5. Elle est prise, pardon, c'est une pouliche. Elle est en forme, en tout cas, ses dernières sorties sont bonnes. Et c'est vrai qu'à cette valeur, pour son retour dans cette catégorie, elle a en théorie une belle carte à jouer. Maintenant, elle est capable de souffler le chaud et le froid. Donc voilà, je suis un petit peu dans le doute. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Allen, que j'ai retenu en tête devant le 10, Cosmobo. L'As, Big Log. Le 7, Madigan. Ensuite, en cinquième position, le 3, Beautiful Summer, devant le numéro 15, Alva. Le 9, Girafe, en septième position. Et enfin, en huitième position, le numéro 11, Le Freinet, en cas de non partant, le numéro 5, Hoxton. En conseil de jeu, bah écoutez, Allen, j'ai suivi la course référence. Les trois premiers de la course référence, alors je les ai pas retenus dans cet ordre-là. Mais le voilà, le 4 Allen, le 10 Cosmobo et l'As Big Log, c'est mes trois préférés. Ils ont bien fait dans la course référence, ils ont formé le podium. Je pense que les trois sont capables de confirmer, surtout l'As Big Log malgré le point en plus. Toujours est-il que c'est mes trois concurrents que je vous conseille en base dans cette épreuve. Un petit tour du côté du Prix de Bretagne, hein. Très très belle qualificative pour le Prix d'Amérique ce dimanche 19 novembre. L'Hussard du Landrec qui a vraiment réalisé un beau coup d'éclat et qui montre qu'il est d'ores et déjà prêt à réaliser un très beau meeting d'hiver. Le 18 Hookerberry qui rassure et qui trace une belle fin de course. Le 7 Okai Dogiel, retenez-le bien, pour moi c'est l'un des prétendants au sacre. Il est qualifié, c'est désormais chose faite. Il va pouvoir se concentrer sur le prix d'Amérique. Et vu la fin de course qu'il a fournie, attention à lui. Ampia BDSM, très belle rentrée. Et puis Elvis Duvallon qui court bien également. Également, San Motor, retenez sur vos tablettes. Il s'est retrouvé dernier dans le tournant final. Il vient de terminer 6e. C'est vraiment prometteur pour l'avenir. Du côté de nos deux rubriques, pas mal de surprises. Hein. Du coup, quelques trios seulement indiqués de la part de nos deux rubriques, plus quelques coups de cœur. Donc, vous le voyez, nos deux rubriques, un top pronoture session que vous pouvez tester à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéo, plusieurs modules pour vous aider à faire le papier. Donc voilà, ça aussi, c'est un lien qu'il convient de signaler. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Nous, on se retrouve demain, ce sera du côté de Mokanchi, dernière étape du GNT avant la finale qui aura lieu dans une dizaine de jours. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.